Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le sac à dos FNCS gratuitement sur Fortnite. Alors il y a d'autres récompenses que vous allez pouvoir débloquer, je vous les affiche actuellement à l'écran. Cependant, il y a une seule récompense que vous ne pourrez plus débloquer parce que la date est dépassée. Alors c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû faire cette vidéo ce week-end, mais comme je suis tombé malade ce week-end, j'ai attrapé le Covid, j'étais dans mon lit en PLS, je pouvais plus me lever, j'étais vraiment très très mal, donc j'ai pas pu faire la vidéo ce week-end pour vous prévenir. Donc vraiment désolé que j'ai pas pu vous partager cette information. Cependant, vous allez pouvoir débloquer les 4 autres récompenses. Il n'y a qu'une émoticône entre les deux qui sont en bas en fait, hein, les deux émoticônes en bas, il y a une des deux émoticônes que vous ne pourrez pas débloquer, mais les 4 autres récompenses, vous allez pouvoir les obtenir. Alors pour les obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous connecter à une certaine map que je vais vous montrer juste après, à des certaines dates et à certaines heures. Donc les dates, je vous les affiche actuellement à l'écran. Donc les dates sont marquées en anglais, mais Saturday, ça veut dire samedi. Et c'est tous les samedis, sauf pour la grande finale, ce sera un samedi et un dimanche. Donc là, vous pouvez voir que le samedi 15, bah, c'était il y a 2 semaines. Mais là, ce samedi 15, il n'y avait pas de récompense à débloquer. Le samedi 22, c'était ce week-end. Là, effectivement, c'est l'émoticône que vous ne pourrez pas débloquer parce que la date est dépassée. Alors, le prochain samedi, donc le samedi 29, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous connecter à une certaine map que je vais vous présenter à 19h. C'est à chaque fois à 19h jusqu'à 22h, je crois. Je crois que la FNCS, donc c'est un tournoi pendant 3h. Ça dure pendant 3h. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de regarder la finale, enfin, les FNCS plutôt, pendant 30 minutes pour débloquer les récompenses associées au jour correspondant. Donc là, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est par exemple, on est samedi, imaginons on est samedi prochain. Il est 19h, ce que vous allez faire, c'est lancer Fortnite, vous allez appuyer sur carré pour aller dans les modes de jeu, pour découvrir les modes de jeu. Là, vous allez dans par Epic, donc les maps créées par Epic, et vous cherchez la croisée des légendes. Alors cette map, si vous ne la trouvez pas, je mettrai le code en description, en commentaire épinglé. Là ensuite, ce que vous allez faire, c'est lancer en privé ou en public, peu importe, moi je vais lancer en privé. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous allez tout simplement tout droit, je pense que vous pouvez même rejoindre ici, regardez. Vous arrivez ici. Vous appuyez sur carré là et boum, ça vous téléporte directement devant l'écran du FNCS. Alors là, c'est des écrans de chargement qui vont tourner en boucle parce que tout simplement, il n'y a pas le tournoi qui est en cours. Mais dès que le tournoi sera en cours, si vous venez à la bonne heure et aux bonnes dates, bah là, vous pourrez regarder les FNCS en direct. Et dès que vous aurez regardé 30 minutes de FNCS en direct, bah là, vous débloquerez la récompense associée au jour que vous regardez le FNCS. Code créateur SCM.